Bonjour. D'abord, avant de commencer, je vais d'abord remercier tout le monde, tous ceux qui me connaissent de près ou de loin, qui ont pris ma défense. Je vous dis vraiment merci. Merci beaucoup. Malheureusement, l'affaire n'est pas encore finie, mais j'aurais aimé vous dire merci de vive voix, mais malheureusement, je ne pourrai pas. Mais quand le problème va finir, on verra. C'était pas prévu que je parle encore après ma sortie à la télévision, à la télé. Mais je suis obligée de parler parce qu'il y a une dame. Il y a une dame que je connais pas, mais que je respecte. Qui est en train de dire des choses qui me font vraiment mal. Alors moi, je voulais tout simplement, je suis là pour éclaircir certaines choses à cette dame-là. C'est pour ça que je suis là. Elle m'a traité de menteuse. Elle m'a traité de voleuse. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas l'injurer de cette façon. J'aurais appris qu'elle vit en Europe. Une personne qui vit en Europe, ça me surprend. Ça me surprend. Parce que moi, mon éducation ne me permet pas d'injurer des gens. Peut-être qu'elle l'a fait parce que je dis le nom de M. Kaba-Morré, du ministère de la Construction, c'est lui. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit simplement que M. Kaba a pris parti des clients de M. Loba. C'est ce que je dis. Maintenant, si M. Kaba n'a pas pris parti de ces personnes-là, il n'a qu'à me dire, ah, qu'ici, je n'ai pas pris parti. C'est parce que les documents sont trop compliqués, le traitement est vraiment lent. C'est pour ça que tu as l'impression que j'ai pris parti. Je suis juge, je ne suis pas avocat de quelqu'un. Je suis pour vous tous. Alors ça, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas vraiment un jeu. Et si c'est pour ça qu'elle m'a injuré de cette façon, je vais lui éclaircir tout à l'heure. Je vais lui éclaircir. Voilà. Oui, C'est fortuné, comme c'est loin, absolument. tu peux Alors, essayer de venir. voilà, je présente le document. Projet de lotissement de la famille Akissé à Boubou-Boilé, 4e extension. Guide pratique d'attribution de l'eau. Voilà, c'est un document officiel avec toutes les signatures Voilà. que cela impose. Et ce Voilà. document, voilà, donc, On va aller seulement hors de finir. mission. Je suis signé Pan Gaston Ouaira, géomètre expert agréé, directeur cabinet topographe Pan. Donne ordre à M. Touré Souleymane, opérateur topographe, d'effectuer les travaux de lotissement de la famille Akassé portant sur une parcelle située dans la 4e extension à Bobo, Baoulé, commencé le 28 septembre. Bon, pour le compte de la famille suscitée, la brigade topographique, je passe de Touré Souleymane, Meitelagi, Sanogo Wayou. La durée de la mission est de 9 mois environ à compter de ce jour, fait à Abidjan le 28 septembre 2005, avec les dates, les signatures de tous les intervenants. Merci. Okay, comme c'est long et que les gens nous attendent, et vous allez lire ça aussi. C'est tout devant l'approbation. Abobalé, 4e extension, commune d'Abobo, plan de lotissement. Je vous passe beaucoup de détails techniques. Mais en tout cas, donc, le chef du service de la topographie, le directeur de l'urbanisme, le ministre de la Construction et de l'urbanisme. Et puis voici ce que le document dit, commune d'Abobo, d'ici d'Abidjan, la constitution, non, je vous épargne, mais je suis proposé au directeur de l'urbanisme et arrêté. C'est ça Le qui est très plan de important. lotissement numéro B44 du 18 avril 2006 d'Abobo Baoulé 4e extension, commune d'Abobo, est approuvé. Il est déclaré d'utilité publique et voie alignement. Le plan de lotissement d'Abobo Baoulé 4e extension comporte 52 îlots numérotés de 415 à 466 et une partie des lots 395, 347 et 418 du lotissement d'Abobo Baoulé 3e extension. Les îlots, bon, je vous passe tous ces détails. Le directeur de l'urbanisme, le directeur du domaine urbain, le directeur de l'assainissement, le gouverneur du district d'Abidjan et le maire de la commune d'Abobo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Abidjan le 13 juin 2006, avec la signature, comme vous voyez, du ministre Marcel Amontano. Merci. Okay. Et Et voici voici donc le le plan. plan. Le plan de lotissement avec les îlots dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est bien. Voici le plan. Et moi, voici, c'est comme ça, c'est placé. Voici le plan. Le plan, c'est comme ça.
Et voici moi, mon îlot, îlot 442. Voici îlot 443. Tout le reste est le terrain de M. Loba, dans l'espace vert. Voici la triche. Alors, ce document, attestation de détention coutumière, je soutiens M. Ato Atebi Alexandre, chef village d'Abobo Baoulé, atteste que Mme Nyangbo Akessé, adresse est propriétaire terrien de domaine de. Non, M. Nyangbo. Mais c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Monsieur Nyangbo Akessé. Monsieur Nyangbo Akessé, propriétaire terrien. Il a 18 hectares. Voici ça ici. D'une personne de 17 hectares. 17 hectares. Il est voisin à qui et pour qui? Il est voisin, je vois, parcelle Louba. Voilà, c'est ça. Institut théologique catholique. Et voici parcelle Akessé. Voilà. Et voici le boulevard Latri, selon le plan qu'on pouvait le voir. Parcelle famille Akessé, parcelle Loba, tracé de Valatri. Tout est là. Celui qui jette un coup d'œil dessus n'a pas besoin d'être forcément expert en quoi que ce soit. Il peut se rendre compte que vraiment, il y a le voisinage qui parle. Je mettais encore ça parce que M. Nyambo, M. Nyambo, c'est le père de Mme Akessé Matt. Donc, c'est lui qui a légué, 3 états à ses 3 filles. Et voilà. Voilà. Ça, c'est Nyangbo que c'est le père. Attestation de détention coutumière, effectivement, c'est Nyangbo père qui a donc. Nyangbo est... père. Merci. Voilà. Merci. Nyangbo père, voici c'est 17 hectares. Uh-huh. Voici c'est 17 hectares. C'est l'eau commence là et jusque là. Voilà la tri et il a 3 hectares derrière. Voilà, c'est écrit ici. Voilà, c'est 17 hectares de la famille. Akessé. La famille Akessé, 17 hectares. Voilà, 17 hectares, voilà. Et 17 hectares continuent ici. Voici comment c'est. C'est 17 hectares qui a traversé le Latri ici. Puisqu'avant, il n'y avait pas de route. Donc, c'était ça. C'est les piétons qui ont fait la route dedans et ensuite, la Latri est venue s'ajouter. Donc, voici les mêmes 17 hectares qui continuent ici. Voici la Latri, voici ça. La famille a cassé le lot, sont coupés comme ça. Tout le reste qui est ici appartient à M. Loba. En tout cas, ce sont des documents que nous tenons, ce sont des documents qui en sont en possession de et madame. Et ça, c'est maintenant la fille. Madame attestation de détention coutumière, on est soutien, M. Ato Atebi Alexandre, on est marqué, c'est épouse Ake Tiené Marthe, adresse 13 BP 384 Abidjan 13, est propriétaire terrien d'un domaine 6 à Nyangbo. Anyango Bouto, à Bobo Baoulé, d'une superficie de 3 hectares à bon, les acres, c'est en tout cas 3 hectares, et puis bon, de toute façon, le document est là, il parle, et puis donc, en foi de quoi, on lui délie la présente attestation pour servir valoir ce que de droit. À Bobo Baoulé, le 30-05-2006. Et tout ça, ce sont 2006, des dates. 2006, voilà. Et c'est celle-là qui m'a vendu dès de ces îlots. C'est elle qui m'a vendu dès de ces îlots. Okay. Voici les 3 états en question. Je n'en baisse pas. Non. C'est comme ça. Et voici les 3 états. Voici les 3 états alignés en question. Voici la tri ici. Et voici ces 3 états. Voici ces 3 états. Donc, je vais dire que avant que je ne paye ce terrain, voilà tout ce que j'ai exigé. Et ils m'ont fourni tout ça là. Et c'est avec ça qu'on est parti à la chefferie. Voilà. Je n'ai pas encore fini. Voici des. Voici. Encore. Mais voici. Oui, la chose, le plan. Ça commence là, juste là. C'est l'eau. Les lots de la dame commencent là et ça se termine là, ici. Maintenant, voici pour moi. Attestation d'attribution. Commune d'Abobo, village d'Abobo Doumé. Attestation d'attribution. Je soussignais Ato Atebi Alexandre, chef du village et président du comité de gestion des lotissements du village d'Abobo Baoulé, certifie que Madame Loukou Akissi Delphine, nationalité ivoirienne, adresse 010 BP 1020 Abidjan 10, est attributaire du lot 4785A
47-94, îlot 442. Je reprends. Du lot 47-85 à 47-94, îlot 442. Du lotissement de Abobo Baoulé, 4e extension, suivant le plan d'urbanisme approuvé par l'arrêté numéro 006, ministère de la Condition d'urbanisme et de l'habitat. Bon, voilà. Suivant du 13 juin 2006. Et puis, je précise que ce sont les mêmes dates qui reviennent parce que elle a pris une année sabbatique pour pouvoir établir tous ces documents-là. 13 juin 2006. À foi de quoi on lui délivre l'attestation pour faire à Bobo Baoulé, de 06-10-2006, le chef du village, président du comité de gestion des lotissements, Ato Atebi Alexandre. C'est ça, c'est ça. C'est l'îlot 442 en question que j'aurais volé, que je n'ai aucun papier, que j'ai falsifié les papiers. Tout à l'heure, vous allez voir que je n'ai pas falsifié. Parce que le fils de la dame qui m'a vendu, il s'est déplacé, il a quitté son travail pour venir assister. La maman même voulait venir. Mais à cause de toute cette histoire, la pauvre femme, elle a tension parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Si quelque chose lui arrive, madame de l'Italie serait responsable de ce qui va arriver à cette maman. Merci. Toujours, c'est les plans de lotissement qui montrent sa position sur la parcelle, sur le site. C'est le site, le plan en question. Voici le plan en question. Voici ça. Voici les 10 lots. Alignés. Voilà les 10 lots alignés. Îlot 442. Voilà, c'est l'extrait topo de îlot 442. Continue, tu peux lire quelque chose dessus. On dit on a volé, donc il faut un soir petit. Donc, voici, je vois ici, section, numéro du plan, direction du cadastre bureau d'Abidjan, c'est le premier des finances. Il y a toute une série de numéros que, franchement, que je ne peux pas. Mais en tout cas, je vous dis que ce document est signé par M. Pan Gaston, géomètre expert agréé, et voilà, avec tout ça, ses numéros, téléphone et tout et tout. Ça, c'est l'extrait topo. Ça, c'est. Là, c'est acte de section. Ah oui, acte de section. Oui, acte de section. Légalisé avec la mairie. Tout à fait. Je soulignais dame Akessé, épouse Aké Tchéné, Marthe, Mosiani, tout est l'âme. Attestation de détention coutumière domiciliée à Bobo Baoulé reconnaît avoir cédé les lots numéro 47-85, 47-86, 47-87, 47-88, 47-89, 47-90, 47-91, 47-92, 47-93, 47-94, îlot 442. Et les lots 47-95, 47-96, îlot 443, dans le lotissement de Abobo Baoulé, 4e extension, à Madame Loukou, à Kessi Delphine. C'est clair, il n'y a pas photo. Même si, voilà. Donc, signé, hein, Madame Akessi, épouse Aké Tchéné, Marc, qui voici le document avec tous les intervenants. Cédant, Madame Akessi, épouse Aké Tchéné Marthe. Oui. C'est elle qui a cédé avec tout l'inventaire de ces lots-là, pour qu'on sache à qui, justement. Alors, c'est acte de section. Guide pratique d'attribution de l'eau. Voici le guide pratique ici. Voilà. Le guide pratique nous dit ici, voici donc la numérotation. Telle que, voilà. Ouais, 47, je commence par 47-82. Guide. 47-83, ici c'est Oussou Bernardine, Touré Suleiman, enfin, tous les noms de ce que je vois, moi, en ce qui nous concerne. Akessi Tchéné, surtout ces lots-là, qu'elle a cédé à qui? C'est bien, merci. Loukou Akessi Delphine, qui est tributaire. C'est tel que, donc, Loukou Akessi Delphine. Loukou Akessi Delphine, de là jusque-là, c'est Loukou Akessi Delphine qui est donc bénéficiaire de ces lots-là. Guide pratique. Voilà ça, là, qui annonce. Et voici là, le guide. Ça, c'était ma pièce d'identité pour que tous ces documents portent effectivement mon
il a eu le lot, comme j'ai eu le terrain, comme j'ai eu le terrain en 2006, en 2007, en 2007, j'ai décidé de faire la CD. Donc, je me suis rendue au ministère de la Construction pour faire ma demande d'ACD. Voici la demande. Ouais. Et il est bien écrit ordre de recette des droits domaniaux. Luku Akisi Delphine. 10 BP, son adresse. Et donc, c'est une facture qui illustre qu'elle est passée par là pour faire des démarches qui vont dans ce sens. Il faut du lot 442. Oui. Je vois le numéro de, du document. Je vois 442, donc voilà. 4785, 4794, 442, qui sont justement concernés par ce document-là. Le lot 442, oui, c'est la demande d'ACD du lot 442 2007. J'ai eu le terrain en 2006. En 2007, je me suis déjà rendu au ministère de la Construction pour faire ma demande d'ACD. J'ai fait la demande d'ACD de ULO 443 et ULO 442 et ULO 443. Pour ULO 442, comme j'expliquais, le prolongement de l'attrait allait prendre une partie. Donc, on m'a tout simplement de me patienter. Si l'attrait ne prend pas une partie, dans ce cas, on va me délivrer l'ACD. C'est pour ça que lui, il a duré. Mais ULO 443, il n'y avait pas de problème. Ça a été étudié, ça a été traité. Et c'est pour ça que ULO 443, j'ai l'ACD. Ok, nous sommes quoi ici? Ça, c'est une lettre qu'elle a adressée. La dame a adressé ça à monsieur le ministre. À monsieur le directeur des affaires juridiques et juridique, du contentieux. Monsieur, voilà. C'est la date, c'est quand? La date, c'est le 5 février 2008. Et elle s'appelle madame Akese, épouse Ake Tiene Marie. Voilà. C'est-à-dire celle qui a cédé les lots. Celle qui a cédé les lots, qui l'a écrit. Elle dit, je suis propriétaire d'une parcelle suite au décès de mon époux, Akessi Nangui Salomon. Cette parcelle fait l'objet de lotissement approuvé, dénommé à Boubaoulé 4 extension. Voilà, elle dit qu'il faudra nécessairement qu'on regarde ça de près parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. C'est notre demande. Messieurs, mise en demeure d'arrêt de travaux. Messieurs, la direction des affaires juridiques et du contentieux a été saisie du 5 février 2008 par Mme Akessé, épouse Akitienin, Marthe, propriétaire terrain domicile à Boubaoulé, d'un litige relatif au lot issu des îlots 442 et 443 du lotissement d'Aboubaoulé 4 extension. Elle a expliqué que vous occupez illégalement les 10 lots au détriment de Dame Luku Akissi Delphine, à qui elle les avait vendus. Donc c'est Mme Tienin justement qui fait ce document-là. L'instruction est en cours. Par ailleurs, je vous rappelle que vos constructions tombent sous le coup de la loi 905-248 du 4 août 1965, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 97-523 du 4 septembre 1947 relative au permis de construire. Par conséquent, sommation vous est faite de procéder à l'arrêt immédiat des travaux de construction sur le site. Faute de vous conformer à la présente sommation, ça va procéder à la démolition de vos constructions sous assurant l'effort de l'ordre de cela à vos frais. Veuillez agréer, messieurs, l'expression de satisfaction distinguée. Aux occupants, ça date de 4 mars 2008. Aux occupants du lot, c'est-à-dire ceux qui étaient sur ce site-là, sur le terrain appartenant 2008. À date 2008. 2008. Ouais. 2008, tout à fait. Bon, c'est à peu près dans le... Dans le même prolongement. Mm-hmm. Tu veux qu'on fait une pause? Par faut montrer beaucoup, mais après il faut couper pour expliquer maintenant. Ok, non, mais je montre quand je pose, faut que tu ok. Donc, non, parce que les Ivoiriens, presque les Ivoiriens, pas tous, toujours faut pas accuser tout le monde est devenu Saint Thomas. Il faut voir pour croire, La dame m'a dit j'ai falsifié le dossier et que je suis une menteuse, et ça sème le trouble dans la tête des gens. Et ça, c'est pour ça que je tiens. C'est pas moi, j'ai déjà parlé à la télévision, les gens m'ont compris. Donc, ils n'ont plus besoin de beaucoup de babadage. C'est des preuves que les gens veulent. Donc, c'est pour ça qu'on lit ces preuves-là pour que tout le monde voit. Ne vous en faites pas, attendez. Parce que pour les autres aussi,
Tu vois, le monnaie finalement, oui, c'est là, c'est derrière là, ça va sortir. Et puis maintenant, ceux qui me font parler là, j'ai aussi leurs documents qui sont là aussi, que je vais faire sortir. Tout va finir. Je pense qu'à partir de cette émission, les gens ne viendront pas dire est-ce qu'il n'y aura plus de est-ce que, mais si on doit délivrer mon ACD, on me délivre une fois pour de bon, tout le monde sera tranquille. Continuez, on s'en va. Même si on doit dormir là demain matin, on va finir demain matin. En train de parler le café, parce qu'on va veiller. Alors, voici encore un document, piège jointe, manière de service topographique de la cartographie d'Abidjan. Connaît Diouma. Madame a dit, monsieur le ministre de la Constitution, l'humanité de l'habitat m'a instruit d'examiner avec diligence le litige à l'emprise. Donc, veuillez agréer, madame Adetti, l'expression de ma considération distinguée. Ce sont des documents toujours aujourd'hui officiels signés le 10 mars 2008. Il y a toute une constance dans ce que Dame Loukou Atissi Delphine présente. Quand elle a eu son terrain en 2006, elle a pris des années, une année sabbatique et puis elle a commencé à faire ce document. Tout est daté de sorte qu'on sache que c'est avec cette, la même énergie qu'elle a... Il ne peut pas y avoir eu des entourloupes à gauche ou à droite, c'est pas possible. Ok, ça c'est très important. Ça là, c'est très important. D'accord. On appelle ça prénotation. Prénotation, ça veut dire quand tu as ton terrain, tu es direct terre à terre, tu t'en vas mettre ton pied dessus. Prénotation, ça se fait à la justice. Si prénotation, tu préviens, personne ne doit toucher. Pour qu'on puisse toucher le terrain, il faut retourner à la justice. Hein, pour prendre un avocat et puis les juges, voilà, ça dit mêle, pour faire m'élever afin que quelqu'un ne touche. Voilà. J'ai eu mon ACD parce que lui, sa demande était faite depuis 2007. C'est pour ça que moi, j'ai eu l'ACD. Donc, on appelle ça prénotation. Même moi, quand j'ai voulu faire demande, demande d'ACD, maintenant là, j'étais obligée d'aller à la justice encore avec l'avocat avant qu'on me donne le papier. Ça dit sans ça, n'importe qui va attribuer quelque chose sur le terrain, c'est nul et non avenu. Lise ça, c'est très important. À monsieur le président du tribunal de premier instance d'Abidjan, requête au fin d'inscrire une prénotation. Non, c'est la requête. À monsieur le président du tribunal de premier instance d'Abidjan, madame Loukou Aksi Delphine, née le 5 mars 1960, Moukro, d'une associative artiste comédienne, laquelle fait élection de domicile en la dite ville. À l'honneur de vous exposer qu'elle est acquéreur de 17 lots. 6 au lotissement d'Abobo 4e extension, approuvé par arrêté numéro 006, ministère de la Constitution du Magistrat de l'Habitat du 13 juin 2006. Que des attestations villageoises lui ont été délivrées le 6-10-2006 par M. Ato Atebi Arizan, chef du village et président du comité de gestion des lotissements d'Abobo Baoulé. Qu'elle a acquis les lots numérotés 47-85 à 47-94, îlot 442. Et de 47-95 à 48-01, îlot numéro 443 du lotissement d'Abobo Baoulé, 4e extension. Que des individus sont en train de faire des démarches afin d'obtenir des titres de propriété sur les mêmes lots. Que pour préserver ses droits, elle a introduit auprès de la Direction des affaires juridiques et du contentieux des requêtes pour règlement du litige foncier avec certains occupants. Qu'au terme de l'article 160 du décret foncier du 26 juin 1932, toute demande tendant à obtenir la modification ou l'annulation d'une inscription peut faire l'objet d'une mention sommaire préventive, la dite prénotation sur titre, avant d'être portée devant le tribunal. Cette prénotation doit être autorisée par ordonnance du président du tribunal ou du juge de paix à compétence étendue sur requête à charge de lieu à référer. C'est un document qui est très lourd. Voilà. Qu'elle a donc intérêt à utiliser cette procédure de façon à éviter que toute personne ou toute demande éventuelle ne fasse muter en fraude de ses droits pour créer un titre foncier sur ses terrains. Ce document lui permet de dire qu'aujourd'hui, qu'elle a fait toutes les démarches qu'il fallait auprès de toutes les autorités afin d'avoir justement la main sur son document. Voilà. C'est pourquoi madame Loukou Aksi Delphine sollicite qu'il vous plaise, monsieur le président, l'autoriser à inscrire une prénotation sur les lots numérotés de 47-85 à 47-94, îlot 442, et de 47-95 à 48-01, îlot numéro 443
du lotissement d'Abobo-Baoulé 4 extensions par application de l'acte suscité du décret foncier du 26 juillet 1932 de façon à préserver ses droits. Ce document donc montre effectivement que ordonnance. Et là, nous sommes en 2008. Je vois l'ASM Melej, magistrat, vice-président de nous, président du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Vu la requête qui précède et les pièces y annexées, vu les dispositions de l'article 160 du décret foncier du 26 juin 1932, autorisons Madame Loukou Akissi Delphine à inscrire une prénotation sur les lots numérotés de 47-85 à 47-94 îlot 442 et de 47-95 à 48-01 îlot numéro 443 du lotissement d'Abobo-Baoulé 4 extension. Disons que sur signification de la présente ordonnance, Monsieur le conservateur de la propriété foncière, Monsieur le directeur du domaine urbain, procédons à l'inscription de la prénotation du livre foncier concerné. Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté. Donc, donné en notre cabinet à Abidjan le 28/03/2008, le président Las Mela JB, magistrat, vice-président de. Voilà. Okay. Si on n'a pas, si les gens ne sont pas partis au tribunal pour faire lever tout document qui a été, que ce soit titre foncier, que ce soit ACD, tout ce qui est document, ça a été fait en 2008. Donc, mais tout document qui est fait après 2008 n'est pas valable. Même si c'était moi, ce n'est pas valable. J'ai dit j'ai eu la CD parce que la demande, c'était depuis 2007. C'était déjà lancé avant que j'aille faire ça. Sinon, moi-même, maintenant, la preuve est que quand je vais la preuve est que quand j'ai voulu faire encore demande d'ACD pour l'eau, 442, maintenant là, où le ministère m'a refusé, j'étais obligée de retourner à la justice. Et ça, c'est moi-même qui, même moi-même qui a fait prénotation. Je ne pouvais pas avoir papier. Je ne pouvais pas. Mais là-bas, j'avais signalé déjà que j'avais déjà fait ma demande d'ACD en 2007. Ils ont dit, c'est pas grave. C'est pour ne pas que quelqu'un vient. Et moi, je suis partie encore à la justice, faire encore procès pour obtenir. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, ordonnance de référé. Là, nous sommes à dans la direction, la décision 15-16 rendue le 4/04/2022. Grosse ordonnance de référé ordinaire. L'an 2022 est le 4 avril. Nous, Conan A. Hortense, épouse Santé, juge au tribunal de première instance d'Abidjan, agissant en qualité de juge des référés ordinaires à notre cabinet 6 au siège de Séan. Assisté lors des débats de Maître Coutouin Djeké Roselyne, épouse Toussela, greffière. Dans la cause opposant les parties ci-dessous nommées, Madame Loukou Akissi Delphine, née le. Ayant pour conseil. SCPA, Kofi Ouattara Kapé, avocat à la cour d'appel d'Abidjan. Demanderesse, d'une part, on finit ça et monsieur le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody. Deux, monsieur le directeur du domaine urbain du ministère de la Constitution du logement de Doumadine. Tous en personne, défendeurs, d'autre part, dont les débats ont été tenus à l'audience du 21/03/2022. C'est un document qui est lourd, hein? Est fixé à la date du 4/4/2022, date à laquelle avons rendu décision dont la teneur suit. Vu les articles 221 suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative, vu les pièces du dossier, oui, les parties en leur demande, fin et conclusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi, fait procédure, moyens et prétention des parties. Par exploit du commissaire de justice en date du 10 mars 2022, Loukou Akissi Delphine a fait assigner le conservateur de la propriété et des hypothèques de Cocody, le directeur du domaine urbain au ministère de la Constitution, par devant la juridiction présidentielle de Séan pour s'entendre, déclarer recevable son action, ordonner la rétractation de l'ordonne de prénotation prise à son initiative sur les lots 47-85, îlot
442 45 95 48 01 ILO 443. Si dans le, en tout cas, c'est un document qui est lourd. C'est une grosse qui dit que elle a rencontré encore, elle est retournée en justice. Ok. Pour... Comme ce que je viens de dire, même moi, c'est fait, la présentation s'est faite en 2008. Même moi, pour faire ma demande d'ACD, j'étais obligée de retourner là-bas. Alors, tous ces documents qui ont été attribués à d'autres personnes, ce n'est pas, c'est même pas, mais ce n'est pas valable. Et c'est tout ça que j'ai réuni pour envoyer quand j'ai été convoquée. Puisque moi, je, je ne savais pas. Quand j'ai été convoquée pour la première fois, je ne savais pas qui m'a convoquée. J'ai fait appel, j'ai dit à Maman Matt, qui me convoque? Quand je suis arrivée, c'est tout ce que vous venez de voir que j'ai pris, j'ai donné à l'avocat. Et puis, j'ai pris vous donner à l'avocat. Je ne suis pas partie là-bas aussi. Donc, quand ils ont vu les différentes dates avec les prénotations, et puis en dehors des prénotations, ils ont attribué, automatiquement, on m'a donné raison. Ils ont fait appel. Je suis partie, ils ont encore m'ont donné raison. Et puis, c'est comme ça que nous sommes arrivés à la cassation. Et c'est tous les mêmes documents. Parce que mes documents sont sûrs et vrais. Et vrai, il n'y a pas de falsification. Parce que quand on dit le nom des juges, on peut toujours aller là-bas à la justice pour vérifier. Moi, j'ai fait les choses dans les normes. Si vous pensez que je suis comme ça, que vous allez me juger, vous avez menti. Je ne lis pas, mais je suis très intelligent. Ma tête, là, c'est comme ordinateur. Merci pour l'instant.